les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le signe des Capricornes pour le mois de septembre 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour ce nouveau mois pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir compléter les informations de ce tirage. Alors on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de septembre. Donc, le message pour vous, nous avons la carte Merlin. Donc, cette carte vous parle d'un guide, d'un mentor, d'un maître des temps anciens. Donc, on voit pour vous, les Capricornes, que vous allez avoir beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On nous indique aussi qu'il y a une personne qui va vous guider, une personne qui va vous apporter des messages, quelqu'un qui est comme un mentor pour vous. Mais ça peut être aussi un guide spirituel. On a aussi le chiffre 33 qui nous indique vraiment une forte connexion avec tout ce qui vous entoure, des messages de l'univers qui vont pouvoir vous guider. Mais aussi, vous allez y voir plus clair par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc, je vais mettre la carte ici et je vais faire le tirage avec le guildeur de rêverie, le Normand. On nous parle déjà ici d'intuition, de ressenti avec la carte de la Lune. Mais la Lune, c'est aussi le fait d'y voir plus clair, le fait d'avoir des messages qui vont pouvoir vous guider. Alors, à la coupe, nous avons le Mont et nous avons la carte du Soleil. On voit ici pour vous les Capricornes que vous allez pouvoir dépasser des blocages qui étaient présents. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Le Soleil, c'est vraiment une situation qui va s'apaiser. C'est une situation qui va être très favorable pour vous. Ça peut être aussi une réponse positive. Il y a peut-être eu des blocages dans une situation, mais on voit que les choses vont pouvoir être résolues. Alors, je vais faire le tirage. Donc, on va prendre 13 cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze et treize. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'arbre. Donc, l'arbre est vraiment connecté avec l'énergie principale, dans le sens où cette carte va nous indiquer que vous allez avoir des réponses par rapport à vos vies antérieures, par rapport à tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. L'arbre, c'est aussi une envie de vous ressourcer, une envie de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps, de votre esprit, pour pouvoir vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Alors, dans l'énergie principale, nous avons la carte de la Lune. Donc, la Lune était déjà ressortie, donc la Lune nous indique vraiment des intuitions très fortes qui vont être présentes, qui vont vraiment vous guider. La Lune peut aussi nous indiquer que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation mystérieuse, une situation qui pouvait être un petit peu floue. Eh bien ici, on voit des messages importants qui vont arriver pour vous. Nous avons aussi la carte de l'encre. Donc l'encre nous indique vraiment qu'il y a une situation qui va se construire, qu'il y a une situation, un projet qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. L'encre peut nous parler aussi d'un attachement que vous avez envers une personne, envers un projet. C'est vraiment ici un lien très important que vous ressentez en vous. Mais on voit que vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'équilibre. On voit vraiment que vous allez pouvoir vous sentir aligné avec tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi les oiseaux. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir communiquer. Vous allez avoir des discussions avec une personne avec qui vous avez un attachement important. Et on voit aussi qu'il est important pour vous, pour ce mois de septembre, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir exprimer des sentiments, des émotions que vous ressentez en vous. Ça peut aussi représenter un entretien, ça peut être un face-à-face important que vous allez avoir avec une ou plusieurs personnes. Nous avons aussi la Vierge. Donc ici, il peut y avoir des communications un petit peu complexes. On peut nous indiquer qu'il y a aussi un désir pour vous de régler des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. Donc la communication va être très présente pour vous pour ce mois de septembre. Mais on voit aussi que cette communication va permettre d'apaiser certaines choses, va permettre d'y voir plus clair. Nous avons aussi la carte des étoiles. Donc les étoiles nous indiquent justement une situation qui va s'apaiser.
par rapport à des conflits, des tensions, on voit vraiment une libération qui va arriver. Aussi avec les étoiles, on nous parle de quelque chose qui va être beaucoup plus serein. On voit aussi que vous allez vous sentir guidé, vous allez ressentir une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. Nous avons aussi la carte du pont. Ici, on voit une étape importante que vous traversez actuellement. On voit que c'est une transition pour vous. Avec la carte du pont, on voit vraiment que vous allez pouvoir avancer vers un nouveau chemin. Et on nous indique que par rapport à cette transition, vous allez vous sentir énormément guidé, vous allez vous sentir beaucoup plus serein et surtout, il va y avoir cette connexion importante avec l'univers. Mais la carte du pont, c'est vraiment une étape importante de votre vie. Nous avons aussi la consultante. Donc ça peut être en lien, ça peut être en lien avec vous si vous êtes une femme ou ça peut aussi être en lien avec la femme la plus proche de vous. La carte de la consultante nous parle aussi d'intuition, de ressenti. Donc on voit que devant cette nouvelle étape qui se présente à vous, vous avez énormément d'intuitions qui vont pouvoir vous guider. Nous avons aussi le puits. Le puits peut nous parler d'une certaine solitude que vous ressentez en vous. Mais ça peut être aussi le fait de vous retrouver avec vous-même, le fait de prendre du temps rien qu'avec vous. La carte du puits peut nous indiquer aussi que vous allez faire le point dans la situation que vous vivez actuellement. Nous avons aussi le vaisseau. On peut nous parler d'un voyage. Peut-être que vous réfléchissez concernant un voyage, concernant un déplacement qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi un déménagement à l'étranger ou en tout cas éloigné de là où vous vivez actuellement. Mais la carte du vaisseau représente aussi cette transition qui va arriver pour vous. Nous avons aussi l'anneau. Ici, il peut y avoir des déplacements pour vous engager avec une personne ou pour vous engager dans un projet. Ça peut être aussi une relation que vous avez avec une personne qui vit loin de vous, une relation à distance. Mais ça peut aussi représenter une personne d'origine étrangère, une personne qui voyage également beaucoup. On a aussi l'énergie masculine. Donc ici, effectivement, on voit une concrétisation qui va arriver. La carte du consultant nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles actions. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit ici un engagement qui vous tient à cœur. Pour vous, si vous êtes un homme, ça peut être un contrat, ça peut être une signature qui va arriver. Mais ça peut être aussi en lien avec l'homme le plus proche de vous. Nous avons aussi la loupe. On voit ici que vous allez observer, vous allez analyser une situation. La loupe nous indique aussi que vous allez approfondir certaines informations. Mais je ressens aussi qu'il y a peut-être certains détails qui vont retenir votre attention et qui vont être importants dans un projet en particulier. Et nous avons les chouettes. Donc vous voyez, on a ces deux énergies. On voit beaucoup de communications pour votre mois de septembre. C'est quelque chose qui va être très important. Mais ce sont surtout des communications très profondes, très intenses, où il va y avoir de fortes intuitions qui vont être présentes. La carte des chouettes nous parle de clairvoyance, nous parle de ressenti. Donc c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous guider. Dans ce qui ressort ici, on a des intuitions qui sont très fortes pour vous actuellement, qui vous permettent aussi de vous libérer de certains blocages. On voit aussi qu'il y a certains schémas répétitifs qui reviennent dans votre vie, mais vous allez pouvoir retrouver la sérénité par rapport à ceci. On a un retour à l'équilibre. On voit aussi que vous allez y voir plus clair concernant un voyage, concernant des déplacements ou aussi par rapport à une personne qui vit loin de vous. On a aussi des communications qui vont être très importantes. On voit vraiment une transition pour vous pour ce mois de septembre. Il est question aussi de communiquer pour vous engager dans un projet. Mais ça peut aussi représenter un entretien qui va aboutir à un contrat, à un engagement. Et avec la carte de la consultante, on voit aussi que vous allez ressentir les choses pour pouvoir vous libérer peut-être d'énergie négative. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je vais continuer et on va voir les messages avec cet oracle. On va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons la carte de l'accident et nous avons l'aventure. C'est comme s'il y avait quelque chose de soudain, d'inattendu qui allait arriver. La carte de l'accident peut nous parler de quelque chose qui va bouleverser le cours des choses.
c'est bien entendu dans le sens symbolique. Avec la carte de l'aventure, on voit que vous allez prendre un nouveau départ. On voit vraiment, on nous confirme une transition importante qui arrive pour vous. Ça peut être aussi un voyage, ça peut être aussi un grand changement qui va arriver dans votre vie. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons justement le voyage. Donc ici, on voit un voyage qui vous tient à cœur ou aussi on nous confirme une relation à distance. La carte du voyage peut nous indiquer aussi que vous allez vous laisser porter par toutes les émotions que vous ressentez en vous. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de la triangulaire. Nous avons le guide. Nous avons la clé. Nous avons le cadeau. La justice. Nous avons la carte de la santé, la carte de la faim, le cœur brisé et nous avons le puzzle. Ici, on nous parle quand même d'une réponse importante. Avec la carte de la justice, ça peut être en lien avec une procédure, avec des démarches administratives. On voit des solutions qui vont être apportées. Le guide nous indique aussi un éveil spirituel et aussi une progression, une ascension sur votre cheminement spirituel. On voit aussi des cadeaux de l'univers, qui vont arriver pour vous. Il y a aussi peut-être une situation, une énergie tierce qui est présente dans votre vie, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On voit vraiment que vous avez envie de vous libérer d'énergie négative. On nous parle d'une fin de cycle, on nous parle d'une transformation qui va se mettre en place pour vous concernant des émotions très fortes que vous ressentez en vous. Il y a pu y avoir une peine au niveau émotionnel, quelque chose de douloureux que vous avez traversé. Mais on voit ici une reconstruction intérieure. On voit vraiment que vous allez prendre soin de vos énergies. La carte de la santé est en lien avec votre bien-être, avec tout ce que vous ressentez en vous. Il y a vraiment un désir d'alignement, un désir d'avancer dans vos projets, de pouvoir débloquer certaines situations. La justice peut aussi représenter une personne en uniforme, ça peut être quelqu'un qui va vous guider. On a quand même le guide et la justice, donc on voit quelqu'un qui est comme un mentor pour vous, on voit quelqu'un qui vous transmet des messages, qui vous apporte des éclaircissements. On voit que cette personne vous envoie beaucoup d'informations, beaucoup de signes. La carte de la fin, c'est vous indique vraiment que c'est le moment de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va continuer et on va voir les messages également au niveau sentimental. À la coupe, nous avons le labyrinthe et nous avons la carte de la déclaration. On voit ici, après des blocages qui ont été présents, une déclaration qui va arriver pour vous. La carte de la déclaration peut nous indiquer qu'il y a une personne qui va vous exprimer ses sentiments, ses émotions, une personne qui va vous déclarer son amour. On vous invite à lâcher prise et on a aussi la période du mois de janvier qui va être très importante pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir les messages. Au dos du jeu, nous avons les parents. Alors ici, on peut nous parler d'un couple, d'un lien. Donc ça peut représenter la relation que vous avez avec une personne. Ça peut nous parler de maturité, de sagesse. On voit vraiment des moments de partage. On voit vraiment que vous ne faites qu'un avec une personne. Vraiment, je ressens une relation où il y a beaucoup de maturité, beaucoup de compréhension, où vous êtes dans l'entraide, dans le partage. Alors, nous avons l'invitation. Nous avons le pacte. Nous avons la carte des outils, l'amour, le temps et la carte des réseaux. Vous avez vraiment un très beau tirage qui nous parle d'amour ici, qui nous parle avec la carte du pacte d'un lien.
C'est comme si justement vous ressentiez un engagement depuis longtemps avec cette personne. C'est comme si vous vous sentiez guidé dans cette relation. On voit aussi une invitation qui va arriver de la part de la personne de votre cœur. Beaucoup de moments de partage. Mais aussi, on voit une relation qui est durable, une relation qui évolue dans le temps. La carte du temps peut nous indiquer aussi que le temps va jouer en votre faveur, va être très bénéfique. La carte des outils nous indique qu'il y a des solutions qui vont arriver pour vous au niveau sentimental. C'est comme si vous alliez pouvoir travailler sur une relation, vous allez vraiment pouvoir faire évoluer les choses. La carte des réseaux peut nous indiquer que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi en lien avec votre vie amoureuse. La carte des réseaux nous indique aussi une forte connexion avec une personne, nous indique aussi des communications qui vont arriver avec une personne. On voit aussi beaucoup d'amour, beaucoup de complicité. On a quand même la carte de l'amour qui est une très belle carte, qui va nous indiquer une relation très forte, qui va nous indiquer vraiment beaucoup de complicité avec une personne. Le pacte, ici, on a la période d'une semaine. Donc, on voit quelque chose de très rapide qui va se mettre en place au niveau sentimental. On voit que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Alors, on va voir aussi les messages de l'oracle des gardiens de la lumière. Alors, je vais prendre une seule carte uniquement et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, nous avons Cernunnos, force de vie, qui vous dit « Exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. » Alors ici, on voit vraiment une passion amoureuse. On vous indique aussi qu'il y a de fortes énergies qui sont présentes et qui vous guident énormément dans tout ce qui vous passionne. Alors, on va voir le message. Alors, cette carte vous dit « Il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de la canaliser dans l'action. » Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels ou sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors, si vous vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme. Si votre couple essaie d'avoir un enfant, quand cette carte apparaît, la fertilité est très probable, surtout si Brigitte, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Donc ici, on voit vraiment des énergies de passion, des énergies d'attraction. On voit vraiment une relation qui est très intense. Et on vous invite à laisser parler votre passion. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage énormément. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.